Bonjour et bienvenue dans ce 45e Road Movie. Nous sommes arrivés en Guyane par la ville frontière de Saint-Laurent-du-Maroni, en traversant le fleuve Maroni. Et nous allons ici visiter le bagne ou le camp de la déportation, où étaient amenés tous les déportés prisonniers français avant d'être redistribués dans les différentes prisons aux alentours. Devant vous, vous avez 19 cellules individuelles que nous allons mieux voir de l'autre côté. Il y avait un lit en bois et un oreiller en bois que le bagnard pouvait dépasser selon sa taille. Il y avait deux seaux, un seau pour les besoins personnels et un seau avec de l'eau. Les bagnards disaient qu'il ne fallait pas se tromper dessus dans ces cellules. Nous prenons la route pour rejoindre la plage des Hattes qui se situe à l'embouchure du fleuve Maroni et où viennent pondre les tortues luttes. Malheureusement, ce n'est pas la saison, donc nous n'en verrons point. On est ici à la plage des Hattes où viennent pondre les tortues luttes. Bon, on n'est pas en saison, donc il n'y en a pas du tout. J'étais venu ici il y a 25 ans en arrière. Mais la plage, elle a perdu au moins 20-25 mètres de large. Il paraît que les tortues vont pondre maintenant plus au Suriname. Là, il y a une ancienne prison. Encore une. Là c'est un serpent, le python, donc on va le mettre, donc voilà, j'ai deux couleurs différentes, je peux enlever par là. Nous reprenons la route en longeant la côte pour nous diriger sur Kourou, où nous allons visiter la station spatiale, d'où partent les fameuses fusées Ariane, Vega et Soyouz. Base de lancement de Soyouz. Avec nous en Russie. Voilà pour le calendrier de l'année. Nous espérons vous retrouver pour un lancement prochain. Le prochain lancement, c'est le mois de février, mi-février. Donc si vous êtes là, on sera ravis de vous y retrouver avec Valentine. Il est maintenant temps. Oui.
Oui, c'est l'heure de la mort. Après cette visite très intéressante mais pas très photogénique, nous reprenons notre chemin pour rejoindre la petite ville de Tonat, où nous serons chaleureusement accueillis par des amis et où nous allons passer quelques jours et profiter de visiter les alentours. Bon, là, on fait un petit sentier dans la jungle pour aller voir le bagne des Annamites. Un bagne qui, je crois, est enfoui au fin fond de la jungle. Là, on arrive sur les vestiges des tirailleurs sénégalais. C'était leur caserne qui servait à surveiller les Indochinois qui étaient envoyés ici comme esclaves. Enfin, comme prisonniers, mais en gros, c'est des esclaves. La cuisine des tirailleurs. On peut dire que là, tiens, il y a un ventilateur. Il reste pas grand chose. Une magnifique fleur des perroquets. Ouais. Les anciennes toilettes. Ça devait tomber là derrière, c'est tout. Les pieds. Ouais. Plus loin, on dirait un ancien puits. Morpho. Que on n'arrive jamais à les filmer. Ah, Morpho. Voilà les cellules où dormaient les condamnés. Donc là, il y avait une planche de bois, ils s'enfilaient dedans, ils dormaient. Même pas de toit. Enfin, peut-être qu'il y en avait un à l'époque, je sais pas. Et la journée, ils allaient travailler. Sympa. Ouais, c'est même, moi j'aurais même pas m'allongé. J'étais plus petit. Il est genre ma taille. Nous allons aujourd'hui faire un tour à Cayenne, ainsi que visiter la capitale de la Guyane. Nous voilà à Cayenne, sur le bord maritime. Marée basse. À marée basse. Toujours basé à Tonat, nous allons faire une excursion journalière et allons visiter les fameuses îles du Salut où étaient déportés les bagnards qui allaient souvent périr là-bas. On visite les îles du Salut, qui sont en face de Kourou. Ça appartient à la base spatiale. Ils sont fermés d'ailleurs, on ne peut pas y accéder pendant les lancements de fusées, parce que c'est sur les trajectoires des fusées. Et le reste du temps, elles sont visitables. C'est d'ailleurs le truc le plus visité de Guyane. Il fait les chambres des gardiens.
Ça, c'était l'ancienne piscine réservée aux baigneurs où ils venaient se laver et se baigner. C'est ici qu'étaient enfermés les prisonniers les plus récalcitrants qui avaient des peines longues. Ils devaient rester dans des cellules sans faire le moindre bruit. Juste le droit d'être debout et de dormir avec une balade d'une heure, une fois par semaine. Voilà les cellules. La nature a pris ses droits. À peu près 80 000 prisonniers envoyés en Guyane. Il y en a à peu près 5 000 qui ont survécu. Avant de devoir quitter la Guyane, nous allons encore faire une excursion journalière et allons visiter le village Mong de Cacao. Petite fleur rouge, les pétales tombent et t'as ça au milieu après qui devient charmant. Regarde les queues. Hey, tu veux m'emplacer ? Congé aujourd'hui. On est pas bon, on est pas bon. Ça a l'air super appétissant, hein, comme ça. Super. Regarde, il y a du sucre. Regarde. Ici, tu verras, c'est très bon. Ah, t'as pris ? Ouais, ouais, un pour deux. Un pour deux. Mais si, mais tu le bois quand même. Je le boirai, moi. Regarde, viens voir. C'est joli, hein. Je regarde, c'est magnifique. Vous avez vu ? Ouais. Voilà, bien mélangé. Notre séjour en Guyane touchant à sa fin, nous reprenons la route à travers la jungle pour rejoindre la frontière avec le Brésil.